Error, c'est un projet qui est lié à la ville, aux villes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. L'idée est liée à l'expérience, mon expérience de la ville d'Athènes, de la ville de Paris, et aussi l'expérience d'autres villes dans lesquelles j'ai habité. Mais ce qui a été un moment déclencheur, c'était la période entre une scène que j'ai vue dans Athènes et les attaques terroristes du Bataclan. Quelques années auparavant, je me promenais dans Athènes et j'ai constaté qu'il y avait un tag qui apparaissait de plus en plus souvent dans la ville. C'était ce mot qui a donné le titre à ce projet, le mot « error », « lathos » en grec, qui était répété en divers tailles. L'élément déclencheur de travailler précisément avec le street art, c'est ce mot que j'ai vu dans Athènes. L'Athènes de la crise financière. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher les graffeurs qui habitent à Athènes. Et voilà, à un moment, j'ai trouvé le graffeur qui me plaisait plus, qui s'appelle Ouzi. Et je l'ai contacté pour lui parler du projet et pour commencer à réfléchir ensemble sur la façon d'utiliser le graffiti. C'est un projet assez complexe qui, avec lequel j'essaye de réunir plusieurs formes d'art. Et surtout, un des défis est que chaque art puisse garder son autonomie dans un ensemble cohérent. Et Error, c'est pour un seul pianiste, performeur, improvisateur, électronique, live, lumière et vidéo d'animation. Je souhaite utiliser plusieurs types de matériaux sonores différents. Le premier, c'est des gestes pianistiques classiques, disons, dans un sens, du jeu habituel sur le clavier, mais aussi d'autres types de gestes, par exemple comme les clusters. Nous avons beaucoup expérimenté avec divers types de clusters, en utilisant plusieurs parties de la main ou du bras ou du corps. Je dirais, le visé, tu donnes la force vers l'extérieur. Trac. Tu peux faire ? Voilà. Voilà. Ne pas entendre l'attaque, là, tu vois. Donc. Voilà. Un élément qui m'intéresse beaucoup et qui pour moi se lie à l'idée de l'urgence, ce sont les sirènes. Donc ce que je souhaite faire, c'est de transformer la résonance du piano en sirène de ville. Nous sommes en phase d'expérimentation. Je ne sais pas, c'est que j'ai une première idée de ce que ça peut donner. Mais nous sommes toujours au début de cette expérimentation avec les sirènes. On s'enregistre tout de suite.
faut trouver quelque chose, pas maintenant, il faut travailler un peu le caractère. Il faut que ces notes-là qui apparaissent soient comme des coups, toi. Mais des coups, mais pas fortissimo, forte. Ok, là c'est bon. Tu veux qu'on passe les notes répétées? Oui, s'il te plaît. Là, le fait d'entrer dans un jeu avec le pianiste, dans l'échange, dans le faire en fait, dans la fabrication, dans le toucher, toucher la matière, écouter les détails, répéter, refaire. En même temps, c'est une immersion, si on peut le dire, une écoute très très aiguisée et la recherche d'un savoir de reproduire le son et aussi un jeu. Le travail avec des compositeurs en général est toujours un échange. Il y a ce qu'on amène de ce qu'on est, de ce qu'on a pu développer, et en même temps un moment de recherche par l'échange et par les propositions du compositeur qui sont extrêmement enrichissantes pour après pouvoir réutiliser des éléments dans sa propre musique ou dans les improvisations. Et donc effectivement, il y a eu des choses que j'ai découvertes en essayant avec Georgia, qu'elle m'a proposé, etc. Et vice-versa, en fait. Pour moi, c'est un vrai travail d'échange. Nous avons travaillé sur différentes matières sonores. Disons qu'on s'est concentré pour le moment sur certaines typologies de sons et typologies de gestes. Tout ce qui est impact dans le piano, donc tout ce qui est sur le cadre du piano, sur l'objet piano, disons, comme un instrument de percussion, sans notes. Et l'idéal, en fait, c'est d'avoir deux bouts différents, quoi, comme ici, par exemple. D'avoir ça. Deux bouts, tu veux dire? D'avoir un côté, oui, tu vois, bout, avec... Oui, d'accord. Faire semblant que le son est extraordinaire. Et l'autre. Ouais, c'est ça. Tu fais comme quelques-unes comme ça? Ouais. Sylvain, on peut enregistrer ça? Tu voulais plus grave. Ça te donne quoi? Oui, c'est possible. Mm-hmm. C'est pas la même chose, non. Tu peux assigner plusieurs paramètres, c'est ça? Ouais. J'aurais essayé de changer tous les machins à la fois, mais je pense pas. Il fait un peu... caisse de saloon. Ding. Oui, ça. Caisse de saloon. Ouais. Ah ouais. Ouais, d'accord. Vous me dites quand c'est bon, hein. Il y a des
des débuts de partitions qui ont commencé à être écrites à partir des improvisations que j'avais faites, et aussi des nouvelles partitions pour commencer à expérimenter des choses, surtout sur la notation qu'elle voulait essayer, sur tout le travail de guiro, c'est-à-dire de frottement sur les touches de clavier, tout un travail sur la gestuelle, disons. C'est un travail où on ne noterait pas les notes exactement sur une partition, mais plus des gestes. Cette question-là était très importante aussi. Comment noter sur une partition ce que je faisais ? Ça, c'est ça, finalement. Je l'ai rajouté hier, ici, voilà. C'est sharp, ouais. Voilà. En fait, le son auquel j'ai pensé, c'était un son qui ressemble à un son de voix qui se fait avec ce type de baguette. Mais il est plus efficace ce que tu as fait avec le... Oui, ça. C'était différent tout à l'heure. Là, il y a des chances que parfois ça ne marche pas. Et c'est la même chose que ce que je faisais tout à l'heure, mais sauf que cette fois-ci, je prends sur le micro qui est sur sa main, au lieu de prendre ceux qui sont au-dessus. Là, c'est avec une transformation. Ah bah oui, là, tu peux arrêter. Hein. Je voulais savoir, c'est le son que tu as pris. C'est le son que je viens d'enregistrer et que je transforme, ouais. Et le micro de la main? C'est ça, c'est ce que j'amplifie là. Ah bon? Ouais. Il n'est pas bien dessus, peut-être. Faut le mettre en dessous. La désynchronisation des mains. Ça crée un rythme. Or, il ne faut pas. D'accord. Il faut des gestes plus grands, plus petits sur les deux mains. D'accord. Et ça, tu peux aussi l'obtenir en alternant la direction des deux mains. Ne pas garder toujours la même direction vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Le travail avec Elvis est un échange continu dans le temps. Donc, je trouve cet apport très, très riche. D'autre part, le travail avec Benjamin Lévy, le réalisateur en informatique et musicale, apporte d'autres données. Pour l'instant, nous sommes encore dans une phase d'exploration où je lui demande de développer certains outils auxquels j'ai pensé déjà. Et il y a eu très récemment une trouvaille que je peut appeler fortuite. Il y a toujours dans cette trouvaille l'idée de l'erreur, parce que ce sont des accidents de l'informatique. Ce que je peux dire sur l'esthétique de cette pièce, c'est vraiment, contrairement à beaucoup de pièces qui s'écrivent ici en particulier, dans le cas de la pièce de Georgia, l'informatique, le traitement, la présence de l'électronique et de l'informatique, du logiciel, est vraiment à découvert, c'est-à-dire pas du tout masqué. Il faut que ce soit présent, il faut que ce soit reconnaissable. Pour une partie de l'électronique, il y a une partie de l'électronique qui est vraiment autour de l'erreur, du bug, c'est là, c'est présent, ça nous... Quelque part, même, ça nous contrarie ou ça nous embête que ce soit là. Ça vient choquer un peu une esthétique plus acoustique et plus lisse, d'une certaine manière. Une petite bonnette. Ça existe. J'en ai pas là, mais...
également, en plus d'utiliser beaucoup d'objets, de préparations, de différents matériaux dans le piano, Georgia a voulu ou voulait que Alvise, le pianiste, puisse aussi lui-même déclencher des événements de l'électronique, des sons à son poste, c'est-à-dire autour du piano. Donc on a essayé de mettre des capteurs dans le piano, mais ces capteurs servent donc au pianiste à venir faire des gestes, déclencher des choses. Il n'est pas parti, oui, j'ai compris. Il y a des micros dans le piano qui arrivent à l'ordinateur, qui peut traiter de différentes manières, et ensuite renvoyer ces éléments traités, soit dans la salle, soit sur la scène, puisqu'il y aura des haut-parleurs sur la scène aussi, soit dans le piano, ce qu'on appelle des transducteurs, c'est-à-dire c'est comme des haut-parleurs, mais sans l'enceinte qui est autour, sans la boîte, et c'est le piano lui-même qui sert d'enceinte. Donc d'un point de vue technique, il y a plusieurs choses en fait, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est des bandes. Enfin, à la fin, ce sera des bandes. C'est-à-dire, il y aura des intermèdes composés par Georgia avec ma collaboration, qui vont être des petites plages de quelques minutes, qui vont venir s'insérer dans les différents tableaux de la pièce, puisque c'est une pièce dont la structure générale est sous forme de petits éléments comme ça qui se succèdent. Et ensuite, si je vous passe I, ça ferait ça. C'est bien, c'est ça. C'est un hasard, mais... Non, mais il faut qu'il y ait des hasards, ouais, c'est très bien. C'est beau, ça. Ouais. Et cette chose arrête ou... Alors ça, c'était... Ou... Pour moi, c'était M, mais je sais pas. Ça pourrait être oui. À la fin de M. Ça peut être au début, là. Moi, je l'ai noté là. Oui, c'est stop. Là, c'est stop. Pour ce projet, nous travaillons avec Andreas Kalaulanis, qui fait l'animation vidéo sur un matériau d'un street artist grec et peintre, Rousi. Je voulais qu'on construise une ville, une grande ville, et en même temps, dans cette grande ville qui parfois est morcelée, où l'être humain est perdu, où on peut regarder plusieurs types de catastrophes, mais en même temps, des situations qui peuvent même toucher l'humour ou la légèreté à travers les picturales. Je voulais donc construire cette espèce d'antithèse où l'être humain, avec tous les problèmes que la société a aujourd'hui, peut aussi trouver des alternatives. En fait, la forme est construite en épisodes, donc une alternance des parties vidéo et musique électroacoustique et pièces jouées au piano improvisées avec de l'électronique temps réel. Il y aura
de mouvements, des épisodes de piano et des interludes électroacoustiques. Et la vidéo d'animation va surtout occuper les plages électroacoustiques. Durant les épisodes pianistiques, disons, l'activité au niveau de la vidéo sera beaucoup, beaucoup moins importante pour donner plus de place et d'espace au jeu du pianiste. Thank you.